Ces travaux de concertation n'empêchent pas les élus de poursuivre avec leur travail. Cette session sera également marquée par la désignation du porte-parole de l'opposition, la confirmation et du président de l'Assemblée nationale. Et dans 15 jours sera organisée une plénière de l'opposition. Je vous propose de suivre Jean-Claude Vouemba qui a pris part à cette réunion. Nous lui avons posé la question de savoir s'il va respecter son timing par rapport au porte-parole de l'opposition. Il nous a répondu qu'effectivement, il avait le calendrier. Moi, j'ai dit, mais malheureusement, le calendrier commence demain le 20. Il m'a dit qu'on termine les concertations. Et puis après, de toute façon, d'ici 15 jours, il va y avoir une grande plénière de l'opposition pour que nous puissions commencer déjà à adopter le règlement d'ordre intérieur afin que le 20 novembre, le Congo puisse avoir un porte-parole constitutionnel.